Ok, vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Ah bah super. Alors, je vous annonce que je fais un monologue depuis tout à l'heure et mon micro était débranché. Je parle, je vous dis que je vous dis que personne ne répond. Salut Gaudi. Je vous dis que personne ne parle et en fait mon micro est débranché depuis tout à l'heure. Super. Bien joué. Donc voilà, je vous disais que au niveau de... Alors, j'ai répondu à tout le monde. M'entend toujours pas là? On ne m'entend toujours pas? Dites-moi que je redémarre tout avant qu'un match démarre. Ça serait bien. Bon, et vous m'entendez ou pas? C'est dommage, je viens d'arrêter la recherche parce que j'allais tout redémarrer. Bah Gaudi, je viens d'arrêter la recherche pour ça. Bah parce que je l'ai écrit dans le chat. Artag. Je l'ai écrit dans le chat pour savoir si vous m'entendiez ou pas. Moi, j'avais le micro débranché parce que j'ai dû brancher autre chose. J'avais branché un disque dur à la place. J'ai complètement oublié de le rebrancher. Du coup, j'ai fait un monologue de bien 8 minutes. Combien? 9 minutes? D'accord. Bon. Je reprends depuis le début. J'ai dit que j'avais racheté un seul 3 quarts. Que je l'ai appelé Evan parce que Evan est très persévérant. À chaque match, il me demande de réintégrer l'équipe. Donc, je l'ai mis. Ouais, je sais qu'il faut pas que j'écoute Gaudi. J'en ai pris qu'un seul. J'ai gardé 150 000 en caisse et j'en ai pris qu'un seul pour la simple et bonne raison que je me dis que si je dois commencer en défense, je mettrai trois journaliers en première ligne. Voilà. Ensuite. Suivant ce qui va se passer, si je perds un joueur important, j'ai de la trésorerie pour le racheter. Si je perds pas de joueur important, j'aurai la trésorerie pour éventuellement acheter 3 3 quarts d'un coup, puisque j'ai déjà la trésorerie, mais je vais en garder un peu. Si éventuellement un des journaliers chope le joueur du match, ou si j'ai des journaliers qui font un bon match et qui prennent, par exemple, qui font une sortie ou ce genre de choses, eh bien j'achèterai, tout simplement. Ouais, mais alors tu vois, Prize, si je fais pas marquer DJ, avant qu'on soit à 20 touchdowns, j'ai peut-être mis la barre un peu haute. Salut DJ. Non, non, t'inquiète DJ. Bon. Qu'est-ce que je vous expliquais? Alors, ce qui m'embête un peu, j'ai une TV de 1380 et j'ai que 11 joueurs. Enfin, exactement, j'ai 8 joueurs. Mais je vais avoir 3 journaliers. J'ai pris en compte les 3 journaliers pour calculer ma TV. Donc 1380 avec les 3 journaliers. J'ai toujours Nemolochon en Raogre avec Juggernaut. J'ai Worf en Vermine avec Châtaigne Tackle. J'ai Rhinohari en vermine standard qui a juste une sortie pour l'instant. Et on a nos 4 coureurs avec 2 Bludgers glissade contrôlée. De mémoire, ce sont DJ et Prize. Nous avons Artag en coureur avec 2 têtes mais qui a une blessure persistante. Et enfin, nous avons... Non, c'est Karz qui a 2 têtes et Artag qui a plus 1 en force. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors je vous disais pour la TV 1380, ce qui est un peu risqué là, c'est qu'on peut tomber sur des grosses équipes qui nous marchent dessus, qui nous massacrent l'équipe et ça serait un peu compliqué de repartir correctement. Il reste très peu de jours avant la fin de voilà, des Nordiques 1430, on n'a pas envie de voir ça. On n'a vraiment pas envie de croiser ça. Alors voyons. Mister Snig, 13 joueurs, statistiques 5-1-1.
Alors, il a 7 matchs, il a déjà une TV de 1430. Il a un Yeti châtaigne. Il a un Nulf esquive. D'accord. J'ai 50 000 de porte-monnaie, ce qui veut dire absolument rien. Il a deux berserkers châtaigne. Il a un tacleur frénésie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frénétiques. Un trois quarts dextérité et un lanceur. Je comprends pas bien comment il a monté son équipe, en fait. Je ne comprends pas bien. 7 en popularité. Ouais. D'accord, ben on va prendre une serveuse. Hein. Et puis on est parti. On est parti. Bon, enfin, Artak plus en force, ça reste un coureur, hein. Bon. Ok, on n'a toujours pas le coup d'envoi. Ça fait plusieurs matchs d'affilée qu'on n'a pas le coup d'envoi, j'ai l'impression. Et on va positionner l'équipe. Du coup, je suis assez content d'avoir pris des journaliers plutôt pour prendre des coups. Ça me rassure un peu. Hop. Ça m'embête un peu quand même de mettre. Ben, j'ai pas le choix. Enfin, si, j'ai le choix, bien sûr. On a toujours le choix. Mais. Là, j'ai toujours un peu peur avec le Raogre. On a un Griffe Châtaigne en face. Griffe Châtaigne. On a un tacleur, il est où? Celui-là, faudrait qu'on le chope, ce tacleur. Frénétique tacle. Faudrait qu'on le chope. Salut Jérém. Dis donc, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu. Salut lui, Noé. Non, Louis Noé, je vais pas piétiner sur ce match. On est à 11 piles. Ça va être trop complexe. Ouais, merci Gaudy, c'est cool, hein. Bravo, je te remercie. Alors tu vois Gaudy, j'espérais plutôt des encouragements. Des encouragements pour me pousser à aller loin et peut-être, me qualifier en playoff. Parce qu'on est vraiment pas loin de le faire. Bon, j'espère qu'elle va pas sortir. Il va y envoyer lui. J'espère qu'elle va tomber par là s'il la réceptionne pas. Bah, il la réceptionne, c'est encore pire. Allez, c'est parti. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Alors déjà, ça c'est une erreur pour commencer. C'est une petite erreur. Enfin, c'est une erreur plutôt grosse même. C'est un blocage 2D vers 1D. 2D vers 1D. Et rebelote ici. Ah, si j'avais su, j'aurais mis un joueur ici. Mais je le savais pas qu'il allait jouer comme ça. Voilà, 2D vers 1D. Waouh. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est pas le type de joueur à faire dans la subtilité quand même. De la frénésie, de la châtaigne en masse, bon. Plutôt logique, mais moi j'aime bien mettre quand même un berserker tacle. Il commence par une passe. Waouh. Qu'il rate.
une passe qu'il rate. Alors, hop, il faut vite que je fasse quelque chose, sinon je vais avoir un problème. Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour éventuellement blitzer au Raogre. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est un GFI, donc on va éviter. On va bien sûr éviter. On pourrait blitzer aux châtaignes. En mettant un joueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenter de pousser sur le joueur et voir ce que ça donne. Je pense que c'est ce qu'on va tenter de faire. C'est ce qu'on va tenter de faire. Aïe, il faut que je relance ça. Oh, sérieux, ça commence bien. Bon. Ok. C'était pas la bonne idée, apparemment. Ici, si j'allais repousser, que la balle tombait par là, je pouvais envoyer les coureurs. Et ça pouvait être un touchdown en contre. En l'occurrence, c'est pas le cas. Ok, là, ça tient. Est-ce qu'il va... Non, il va pas faire un blocage à un dé, ici. Là, ça va toucher. Ok, sonné. Là, il va porter un support, quand même, et il va faire un blocage à... Je me demande si j'aurais pas déjà dû envoyer des scaven, enfin des coureurs par là, au cas où il rate le ramassage, mais il a un dextérité, il y a peu de chances que ça arrive. Ouais, les crânes en première intention, c'est toujours très agréable. Toujours. Est-ce qu'il va... Alors voilà, encore une erreur, il va certainement blitzer ici. Avec le Yeti, je vous l'annonce. Et s'il rate, s'il fait deux flèches par exemple, il ramasse pas au dextérité. Il est où le dextérité? Il ramasse pas au dextérité. Oh là là. Là c'est encore pire s'il le fait là. Non, il va pas le faire, c'est pas possible, j'y crois pas trop. Mais non. Sérieux? Bon, ben j'espère qu'il va faire deux flèches. Ah, il relance. Oh, c'est n'importe quoi. Mon dieu, c'est n'importe quoi. Et en plus, mon robe gris qui tombe. Bon, ben, ça sent le match mal engagé, ça. Ça sent le match très très mal engagé. On va... Il est où son tacleur? Il est loin là-bas. Bah écoutez, on va laisser les joueurs au sol, on va le laisser avancer. Et on va protéger nos joueurs. Waouh! Ah ouais, Mr. Snig, c'est du haut niveau. Salut Loïc. Là, objectivement, j'hésite. Je blitzerai bien son dextérité. Mais le problème, c'est que si je le blitz, je vais d'abord apporter un joueur, le glissade contrôlé certainement. Et je vais prendre un coup juste après. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Mais il faut que je fasse quelque chose.
Non, non, Sarcobolt, j'abandonne pas. Non, non, j'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Salut Nordine. Et en plus, il va faire une faute sur mon Chatentacle et il a deux remplaçants, donc il a bien raison. Hein. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver réellement? Par contre, il va faire une faute avec lequel? Il faudrait faire une faute avec celui-là. Il va blitzer avec qui? Avec son... Oh, bon, mais... Il y a peu de chances qu'il rate la faute. Hein. Ce que je vous disais, c'est... Ce que j'appréhende toujours, ce sont ces matchs. Ces matchs où on va se retrouver contre des grosses équipes qui ont une TV un peu plus élevée que la nôtre et qui vont jouer la... Oh là là, et... Oh, c'est pas possible, il est sérieux là! Il arrive à relancer en... Non mais sérieux, j'ai plus quoi faire moi là. Ah c'est ridicule. C'est n'importe quoi. Bon alors pour l'instant les deux solitaires ont marché. C'était en quoi Loïc? Quelle compétition? Bon, ben c'est une faute automatique, hein. Et il n'est pas repéré. Ce petit salopio, il n'est pas repéré. Ouais, ça sent la... Ça sent la... Le massacre. Réellement, ça sent le massacre. Allez, Rinoari. Si tu veux que j'ai confiance en toi, il faut faire des sorties. Voilà, bon, en KO, je prends, Rinoari, je prends. Je prends, je prends. Mais arrête, Goddy! T'es sérieux? Ça va être du massacre. Il va encore blitzer avec lui. D'accord. Voyons. 3D. Pas, il touche, mais sérieux, quoi. Non, je sais bien Karsk, que Goddy il me chambre. Mais juste un petit encouragement, ça me ferait plaisir. Et voilà. Worf est blessé. Par contre, il se fait expulser. Qu'est-ce qu'il a, Worf? Ben, je suis obligé de. Voilà. Bon, ben, comme on disait, l'équipe est quasi morte. Quasi morte. Parce qu'on tombe contre un joueur qui a juste décidé de massacrer notre équipe. C'est malheureusement comme ça. Alors on va. Non mais c'est pas ça que je reproche. C'est là qu'est-ce qu'il fait en fait? Tout ce qu'il fait c'est il avance même pas. Je suis même pas sûr qu'il ait envie de marquer un touchdown. Hein. C'est ça le problème. Ben moi aussi je vais piétiner du coup. Mais pas maintenant.
Bon, le match va être long, hein. Je vous le dis, moi. Le match va être très 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 long. Très long et pénible. On va se faire massacrer par une équipe de nordiques survitaminés avec que de la châtaigne, du tacle et de la frénésie. Voilà, encore bien joué. Donc bloqué. Oh là là, c'est nul. C'est n'importe quoi ce match. Oh putain. Bon, ça me fait marrer en fait. C'est pas très grave. Bon, bah... Voyons. Bon, on va continuer à foutre la pression. Hop, on va apporter lui ici. On va bidzer sur le châtaigne avec lui. J'aurais pu hein, blitzer là-bas, mais j'ai pas envie. On va rester. Voilà. On va venir ici. Hop. On va repousser. On va continuer à taper ici. Hop. On va rester. On va rester là. 1, 2, 3, 4. Il a déjà 3 joueurs dehors lui aussi. Bon, ce qui m'embête, c'est cette blessure persistante sur Warf. Ça, c'est pas terrible du tout. Non, c'est pas grave. Et là, on va attendre une erreur de sa part. Parce qu'à mon avis, on va encore blitzer au Yeti. Enfin, maintenant, pourquoi pas blitzer au Yeti? Il a pas de relance. Il a plus de relance, donc autant blitzer au Yeti. Voilà. Ça, par contre, cage marquée. Cage marquée. Si le Yeti reste au sol, il va blitzer au Yeti, j'en suis sûr, mais on sait jamais. Il suffit qu'il fasse un 1. Ah non, mais alors, là, je comprends vraiment pas. Hein. Ok. Il attaque. Ça va. Ah, il faudrait pas que le Yeti se relève par contre. Et ça serait pas mal. Oh mais sérieux, mais arrête avec ton Yeti. C'est quoi ce Yeti? Tu lui donnes quoi à manger?
Oh, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe! Bon, on a un bloc. On va avoir certainement un blitz à un dé. Qu'on va faire. Allez, l'animal sauvage. Oh, mais arrête, mais sérieux, ton animal sauvage! Mon rogue, il fait pas ça, Nemoluchon. T'en prends de la graine, s'il te plaît? Le bon est un échec, ça c'est cool. Bon, ici on va tenter le tout pour le tout. Le tout pour le tout c'est... Oh là 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 là. Tiens. Le tout pour le tout c'est... Venir marquer ici. Blitz un dé. Le pousser là. Pour que la balle sorte. Alors... Et on relance bien sûr. Allez, sors cette balle. Oh putain de merde. Con de balle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, je peux venir ici. Maillon bloc. Bloqui bloc. De mon côté, Prize, ouais, c'est principalement des KO, à part malheureusement Warf qui a une blessure persistante, ça c'est bien dommage. Salut God Mickey. L'autre Blitzer, lequel Goddy? Tout le monde est KO, sauf Warf qui a une persistante. Bon, il n'a pas de relance, j'ose espérer qu'il va pas marquer. Il va le mettre là, parce qu'il pense qu'il peut le mettre dehors, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il va bloquer ici. Je vais espérer pouvoir glisser là. Il va certainement bloquer ici, mais c'est un dé. C'est un dé et il faut faire des GFI s'il veut annuler ce support. Est-ce qu'il va tenter le GFI? Sinon c'est blocage à un dé. Blocage à un dé, il a pas de tacle. J'ose espérer que je vais pouvoir glisser ici. Ah non, il fait d'abord un blocage avec le... Mais pourquoi t'apportes un support? Ça sert à rien. T'en as pas besoin. Je comprends pas.
Ouais, ça touche. Alors si maintenant les jets pour ramasser la balle pouvaient rater, ça, ce serait cool. Alors, s'il me tape, je vais glisser ici. Bon, parfait. En plus, il n'a pas de relance, donc je reste là. T'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix, voilà. Ramassage 3, ouais, ça fait beaucoup de choses quand même. Bon, il va pas tout réussir, c'est pas possible. Ça aurait pu, hein. On va balancer lui dans le public. Et on va tenter une passe. On va laisser les autres au sol. Le double 1 sur la passe. C'est moins catastrophique. Alors, c'est KO. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs dehors. Et nous, tout le monde est revenu. Alors là, ça va changer. Maintenant, on va s'amuser. Ouais, what the fuck. Ces KO ne sont pas revenus tandis que les miens sont revenus. Bon, après, j'avais une serveuse. Est-ce qu'elle m'a servi? Oui, sur un des journaliers. Un lanceur. Alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'on n'en voit pas souvent des lanceurs dans les équipes nordiques. Alors on a ça. On va faire du 3D ici. On va faire ça ici. Blocage. On va tenter du 3D ici. Ah ben voilà, je me disais qu'on n'était pas nombreux en fait. Comme ça. Comme ça. 3D, le problème c'est qu'on tombe sur lui. Mais je pense qu'on peut peut-être tenter un blitz avec le 3 en force après. Si on se débrouille bien, il y a moyen de faire un blitz sur lui avec le 3 en force et de se barrer. On va essayer ça. Alors, qui a besoin d'expérience? Toi non. 11, 25. Bloc. Blocage à 3D. Bloc. Super. Bon, pas de ramassage prévu. On va commencer ici. Et on va rester. Je vais taper tout de suite avec le Raogre. Bon, il veut pas. C'est pas très grave. On va taper ici. Et on va rester. Du coup, est-ce qu'on va avoir un truc à faire? On va taper ici.
Il reste T. On va venir là. De toute façon, on prendra un blitz. Donc, si c'est celui-là, tant mieux. Et on va blitzer avec le 3 en force. Ça serait bien qu'on lui en sorte un autre. On a deux sonnés, c'est pas mal. On va décaler ici. On va décaler lui ici. J'ai envie de le faire tomber dans un piège à frénétique. C'est-à-dire que je vais. Il va me pousser, je vais me mettre là. Et bim, je vais reglisser ici. Pour le faire tomber. Pour le mettre dehors juste après. Ouais, c'est super un coup à force 3. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. C'est vrai que ça augmente énormément la TV, mais je pense que après en progressant, ça peut être pas mal. Du coup, je vais même réfléchir à ce que je vais lui mettre en suivant. Il y a une grosse possibilité que je lui mette lutte. Ok, il préfère ici. Bon, ben là, c'est tout vu, hein. Ok, donc ça c'est raté. Ça c'est touché. Très bien. Ok, très bien. Ça me va. On pourrait presque le mettre dans le public, lui, hein. Franchement, j'apporte un support. Blitz à 2D avec lui. On le met là. Et bim. On va faire ça. Franchement, on va le faire. Commence à me fatiguer. On va le faire. Donc lui ici. Blitz. Ah merde. Merde. Bon, on va repartir alors. Là, du coup, c'est dommage. Du coup, c'est un peu dommage. Du coup, c'est un petit peu dommage. On va faire ça. Nemo, Nemo, Nemo. Nemo. Tu me fais quoi, Nemo, là? Tu me fais quoi, Nemo? Donc, les deux au sol, flèche les deux au sol, crâne les deux au sol. Bien, Nemo, bien, joli, joli ratio. Le tacleur est là. Bon, ça va, ça tient, c'est cool. Hey, t'arrêtes. C'est à moi de te sortir des joueurs maintenant. Les blocs ici. J'aimerais bien qu'il repousse juste. Parfait.
Ça, c'est moins parfait. Non, c'est pas grave. On va le relever. Parfait. On va blitzer ici. Je vais me servir de Nemo encore. Je vais encore me servir de Nemo. J'ai pas le choix. J'ai vraiment besoin de m'en servir. Voilà. Voilà. Elle sert à quoi la compétence du Raog? C'est Juggernaut? Oui, c'est ça, Arthur. Alors, elle sert, mais uniquement en cas de blitz. C'est un peu le problème. Elle permet de transformer un Lido au sol en flèche. Et aussi, elle annule quelques compétences, comme par exemple parade, lutte. Et une troisième, je sais plus laquelle c'est. Parade, lutte. C'est quoi la troisième? Et stabilité, c'est ça, Gaudi. Exactement. Et stabilité. Bon, ben à un moment, lui, on va le mettre. Voilà, on va les mettre dehors. Hein. Bien. Et d'une. Lui, on va le mettre dehors. Oh ha ha ha! Je suis dégoûté. Excusez-moi, excusez-moi. Non, non, là, c'est. Non, non, c'est nul ce que je viens de faire. C'est mauvais ce que je viens de faire. Allez, donc là, mon petit Némolochon, j'ai besoin de toi. Envie de te taper, Nemo, quand tu fais ça. Écoutez, je vais la relancer. Je vais la relancer, ouais. Ça paraît bizarre, mais je vais la relancer. Voilà. Oui, s'il vous plaît, tapez Nemo pour moi. Alors, en fait, ce que j'avais envie de faire ici, c'est pousser ce joueur-là, le joueur que j'ai pas réussi à taper. Et juste le pousser, refaire un deuxième blocage, le pousser là, et neutraliser ces deux-là. Et gêner le retour de celui-là. Voilà, c'était un peu l'idée. Bon, ça c'est un solitaire, on s'en fiche. Je suis désolé, mais c'est comme ça.
Ben là, j'avais pas besoin de blitzer, Loïc, puisque j'étais au contact. Je préfère bloquer et garder le blitz. En fait, mon idée, c'était que le Raog repousse ici, refasse un deuxième blocage, repousse et bloque les deux qui étaient là, et que ma vermine aille blitzer sur le berserker. C'était ça, en fait, l'idée. Il a pas encore blitzé. Je crois pas qu'il ait blitzé. Est-ce qu'il va blitzer un dé ici? Ou est-ce qu'il va blitzer ici? Ou est-ce qu'il va... Pff, non mais son Yeti. Son Yeti c'est du n'importe quoi. Ce qu'il fait avec son Yeti, c'est n'importe quoi. Il va blitzer ici, d'accord. Allez, deuxième relance. Bien sûr. Dommage. Alors voyons. Est-ce que Némolochon est aussi docile que le Yeti? Nous allons le voir tout de suite. Oui. Ça m'embête, il y a le tacleur ici. Ça m'embête vraiment, il y a le tacleur. Je pense que je vais marquer. On en est où? Il lui reste. Il va lui rester 4 tours. Ou alors je change de direction. Ça peut être bien aussi. Là. Ouais, ça peut être bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là. Lui ici. Lui ici. Et le 3 en force ici. Et le 3 en force ici, ouais. S'il veut tenter un blitz, tant mieux pour lui, on va dire. Par contre, je vais venir marquer le tacleur. Allez, 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 allez. Ah. J'avais bien envie de marquer le tacleur quand même. Evan, pas terrible là, Evan, ce que tu me fais. Evan ici. Ah, il va. En fait, il va. D'accord, il va taper le Raogre. Encore une fois, je ne sais pas exactement. Non, mais c'est pas possible, ces animaux. C'est quoi ces jets d'animal sauvage qu'il nous fait, lui? Oh! Parfait. Parfait. Voilà. Bon, il peut bloquer encore ici. Bon, ça c'est moins parfait, hein. Avec Châtaigne, c'est moins parfait. Ah, je voulais qu'il tienne, il fallait qu'il tienne, il fallait qu'il tienne. Pour la simple et bonne raison que s'il tenait, mais qu'est-ce que j'ai ici? Personne me dit que j'ai oublié Karz. Personne me dit que j'ai oublié Karz. On a laissé Karz tout au fond. Blitz à un dé. Superbe. Faudra encore m'expliquer ça. Alors qu'il a encore un joueur ici. Dernière relance. Il touche, mais c'est ridicule. Bon, alors est-ce que vous êtes toujours là? Parce que j'ai encore eu une coupure. Alors je suis en train de regarder. J'ai toujours une coupure aux alentours d'une heure. Là, c'était 58 minutes. Et tout à l'heure, c'était 5. 56, hier c'était à peu près ça aussi.
Sans relance, hein, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Oh, n'importe quoi. Bon, on va aller marquer. On va aller marquer. On va aller marquer. On va aller marquer. Waouh. Bon, il reste quand même 3 tours, hein. Et ce qui est pénible, c'est qu'on va être obligé de mettre Rhino Harry devant. Merci les gars. Merci, c'est pas fini, il reste 3 tours. On va essayer de défendre. Il a combien de joueurs tous? Non, ses KO sont pas tous revenus, mais pas mal, j'ai l'impression. Ouais, pas mal. Bon, il a pas de relance. C'est le point positif. Il a pas de relance. Il a récupéré, je crois, 3 KO sur 4. Je crois qu'il en avait 4. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'il a pas récupéré le dextérité. Du coup, il se retrouve avec aucune relance. Enfin, on espère. Qui a le fame? J'ai même pas regardé. C'est nous qui avons le fame. C'est nous qui avons le fame. Ça nous donne une petite chance supplémentaire de ne pas lui donner de relance. Il faudrait pas que la balle sorte. Il faudrait pas que la balle sorte. Et il faudrait pas qu'il gagne une relance. Et on serait pas mal, je pense. Tant Clément. Et elle sort pas. Parfait. C'est pas trop mal. En plus, il a mis son attaque de l'autre côté. Elle est là. Il doit ramasser. Ça peut sentir bon, ça. Ça peut même sentir une récupération de balle et une passe au fond du terrain. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est qu'il est... Là, ce qui peut être pas mal, c'est que s'il rate le ramassage, il va perdre du temps et il a mis ses joueurs à l'opposé. Ouais, pas de relance. Pas de relance. Tout peut se jouer maintenant. Ouais, c'est moche. J'ai oublié Kars, je suis désolé. En même temps, Kars m'a pas rappelé que je l'avais oublié. Ok. Je pense que là, la meilleure solution, ça va être de s'engouffrer avec les coureurs d'égout. On a une relance. On va s'engouffrer avec les coureurs d'égout. Alors ça aussi, ça c'est... Mais ça c'est... Blocage. Avec un joueur qui n'a pas blocage sur un joueur qui a blocage. Sans relance. Voilà, ça aurait pu arriver le tour d'avant. Enfin, juste avant. Et il était, c'était la galère pour lui. Il a pas encore blitzé. Il va tenter un blitz ou pas? Il a pas. Non mais il a raté combien d'animaux sauvages sans faire de blocage? Pas beaucoup, je pense, hein. Allez, 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 allez. C'est le moment. Ah! Bon, enfin.
m'énerve quand ça fait ça. Ça m'énerve. Pas de relance, il commence par ça. Ah, j'aimerais bien Julien mettre un deuxième touchdown. J'aimerais bien, mais c'est loin d'être gagné. C'est loin d'être gagné. J'essaie de voir ce qu'il a l'intention de faire. Si c'est blitzé sur celui-là. Non, non, quand même pas. Je me suis dit, il allait blitzé sur celui-là. Ça serait une très mauvaise idée. Non, toujours pas. Il va bloquer ici. Allez. Non, c'est vers un D ça. Non, si si c'est vers un D. Bam. Bam. Ça c'est bon. Ah, la technique du push-push, elle est pas toujours simple, hein. Bon, pas que je me rate là. Blocage à 2D, faut pas que je me rate. Ah, c'est moche. C'est moche. J'hésite entre... assuré, c'est le dernier tour, ou tenter le touchdown de la mort. Sans relance, c'est chaud. Je pense que je vais plutôt assurer. Je pense que je vais plutôt assurer. Parce qu'ici, je perds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pourrais y aller, ramasser, transmission. Mais imaginez, transmission, je la rate. Elle tombe par là. Ils peuvent aller la récupérer et tenter une passe. Et j'ai pas très envie. Je préfère assurer la victoire. Réellement, le touchdown. Putain. Je le sens pas, hein. Non, je vais pas le tenter. Je suis désolé, les gars. Je vais assurer. Bah, j'ai la win déjà.
Et là, l'erreur, c'est de ne pas avoir blitzé. C'est de ne pas avoir blitzé. Mais le côté positif, c'est que Nemolochon ne risque plus rien. Il est dehors, il est KO. Voilà. Rhinohari. Non, c'est qui? Ah non, mais lui, on s'en fout, c'est un 3 quarts solitaire. Parfait. Pas parfait. Franchement, c'était un blocage 2D vers 1D. Hein. Encore une fois. Donc il va tenter peut-être un blitz pour le pousser là. Voilà. Oh. Oh non mais sérieux. Sérieux. 3, 4, 5. Ouais, en même temps, ça fait beaucoup de G quand même. Voilà, bon, c'est bon. Waouh! Waouh! Oh, ce match, il était tendu! Tendu. Donc, vous voyez, à Blood Bowl, il ne faut jamais abandonner. C'est Rhinohari qui est joueur du match et qui va récupérer une compétence. Alors, Rhinohari. Ah, dommage. Ben, Rhinohari, c'est ou tacle ou châtaigne, encore une fois. Ouais, c'était chaud. C'était vraiment chaud, là, sur la fin. Vraiment, vraiment chaud. Donc, Rhinohari, tu me dis, ou tacle ou châtaigne. Nemolochon, je veux pas t'entendre. Je veux plus t'entendre. T'as été catastrophique. Bon, on a moins encaissé que ça aurait pu être. C'est un peu dommage pour Worf, encore une fois. Donc, une persistante sur Worf. Ça m'embête un peu. Parce que autant laisser Kars tout au fond, parce qu'évidemment, j'ai fait exprès de laisser tout au fond, il est fragile, il a un genou déboîté, il faut faire attention à Kars, il faut toujours faire attention à Kars. Mais autant avoir deux joueurs avec des blessures persistantes, il va falloir protéger les deux, les surveiller, c'est moins drôle. Nemolochon, c'était catastrophique. Je me demande si c'était pas le pire depuis le début, celui-là. Donc Rhinohari, est-ce que tu es toujours là? J'ai pas l'impression. Alors, on va aller regarder le classement, voir s'il a été mis à jour. Tu veux châtaigne, Rhinohari? Ça me va. Ça va, ça me va. Châtaigne, ça me va. Je vais regretter si on tombe contre des elfes au prochain match. Mais ça me va. Tu peux toujours faire pire. Mais j'espère pas. Parce que quand même, sur ce match, c'était pas mal. C'était pas mal. Je te conseille de le regarder depuis le début. Tu vas voir que c'était pas mal. Bon alors,
Notre adversaire. C'est toi, Gaudier, qui nous a mis ces stats tout à l'heure. Est-ce que tu peux les remettre, s'il te plaît? J'aimerais bien les revoir. J'ai eu l'impression, j'ai regardé rapidement et j'ai eu l'impression qu'il avait énormément de matchs à son actif. Non? Ouais, Ivan, t'es le seul 3 quarts. Hop, on revoit l'équipe. Mais par contre, j'ai 210 en trésorerie, donc je vais en racheter un. Du coup, de toute façon, comme j'ai pas Ouref au prochain match, je vais en racheter un. On va se retrouver de nouveau à 8. 3-3 quarts solitaires qu'on mettra en première ligne. Je vais en racheter deux. Même deux. Ah oui, c'est ça. 1600 matchs, le Mister Snig. 1600 matchs, 500 victoires, 264 nuls, 834 défaites. Top race, humain à 40%, bretonien à 40%, KO à 40%. Et lui, il a des stats à 40%. Ouais. Il faut aligner les trois. Salut Mister Bacala, je t'avais pas vu. Il faut raligner les trois quarts. Je vais aller regarder qui voulait être un trois quarts. Je me rappelle plus qui voulait être un trois quarts. Si, il y en a qui veulent être un trois quarts rat, c'est pas glorieux, hein. Un trois quarts ragondin, un trois quarts petit rat, c'est pas glorieux. Enfin, je dis pas ça pour toi, Ivan, hein. Alors voyons voir les résultats des votes. Je regarde si les résultats ont évolué. Pour les votes, alors ceux qui ne l'ont toujours pas fait, je remets encore une fois le lien vers les votes. Salut Merlin. Oui, mais si tu veux t'amuser, regarde le match. Je pense que ça vaut le coup. Je pense vraiment que ça vaut le coup. Un match face à un adversaire qui avait vraiment envie d'en découdre, dirons-nous. Un petit trois quarts mignon comme tout, les petits rats. Donc, je vous disais, je viens de vous mettre deux liens. Ce sont des liens pour des sondages. La saison 24 commence mercredi prochain. C'est un sondage pour savoir quelles seront les races jouées. Vous avez jusqu'à dimanche matin, 10h. 10h pétantes. Sauf si je me lève plus tard. Et à 10h, on décide des challenges de ces nouvelles équipes. Voilà, pour l'instant, nous avons le chaos toujours en tête, largement en tête, pour l'un des sondages, et les elfes sylvains qui ont pris un peu d'avance pour le deuxième sondage. Oui, Evan, t'es le seul en vie, mais en même temps, c'est ton premier match. Les orques, ils sont où? Les orques, je crois qu'ils sont loin. Hein. Ouais, les orques, ils ont 20% des votes. Les elfes sylvains, 31%. Et les lézards, 25%. Alors, j'étais en train de regarder si le classement avait été mis à jour. Pour les Skaven. Alors, est-ce que le classement a été mis à jour? Pas encore, mais je peux le calculer. C'est bien ça, 8 victoires. Ouais, c'est ça. Je peux le calculer. Alors, nous passons 10e. 10e Skaven. Ah ben Némolochon, KO et Sylvain, c'est parfait. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En plus, ça fera deux styles de jeu totalement différents. Donc suivant notre humeur, on pourra soit jouer en évitement,
soit jouer physique. Ça peut être sympa. Alors, je vais remettre toutes les stats à jour. Voyons. On va regarder rapidement. Donc, Nemo, je crois qu'il a rien fait hein, ce match-ci. Non, toujours 4 sorties. Donc, Worf. Worf, toujours 2 sorties. Rhinohari, 2 sorties. Donc, t'en as fait une. Nous avons DJ Creeper, 5 touchdowns. Donc, ça n'a pas changé. Nous avons Prize, 3 touchdowns, 3 sorties. Je tiens à le saluer. Prize est complet. Il fait un peu tout. Il fait un peu tout dans l'équipe. Nous avons Cars avec une sortie, 3 touchdowns. Ça n'a pas changé. Et Artag avec 2 touchdowns. Ça n'a pas changé. Enfin, nous avions Evan. Et Evan, toujours rien pour l'instant. C'est vrai, car je t'ai complètement oublié là. C'est impressionnant. Je t'ai complètement oublié. Hop, on va mettre ça à jour alors, du coup. On va mettre ça à jour. Alors. Donc, 8 victoires et un nul. 10e Skaven. Je recalculerai la TVV un peu plus tard. Donc, on n'est toujours pas qualifié. Mais on va se battre pour. On va se battre pour. Voyons, le premier. On n'est vraiment pas loin du premier. On n'est vraiment, vraiment pas loin du premier. Bon, il faudrait vraiment faire un sans faute, mais on n'est pas loin du premier. On a encore ce week-end. On va essayer. Ouais, Van, mais on verra ça, pas de problème. On en discute. Hop. Oula! Il y a eu beaucoup de votes d'un coup là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de votes d'un coup. Mais alors. Ah oui. Donc nous avons le chaos qui s'est encore plus détaché. Donc là, le chaos, c'est à moins qu'il y ait vraiment un gros changement dans les prochains jours. Il semblerait que le chaos se soit vraiment détaché. Par contre, nous avons les hommes lézards qui viennent de rattraper les elfes sylvains. À égalité. Bon, ben voilà. Match plutôt sympa, malgré tout. Match plutôt sympa parce que indécis. Réellement, quand on tombe contre une équipe comme ça, on a envie de vite s'échapper. On a envie de retirer son équipe, de faire des esquives et se mettre tout au fond d'un terrain, se mettre en position fœtale. Et voilà, donc il faut tenir jusqu'au bout. Là, ça a été compliqué, on a quand même morflé. On a quand même bien morflé. Je pense que la serveuse nous a bien aidés. Heureusement qu'elle était là. Et je regrette cette blessure sur Worf, réellement. Je la regrette. Je la regrette. Bon, en attendant, Worf va rester là. On verra bien ce qu'il aura au prochain. À la prochaine compétence, si il survit jusque-là, on sait pas. Je veux jouer et le moindre. Et pas le moindre. Attention, KO, je joue pas le Minotaur. Je suis pas super fan du Minotaur pour l'équipe du KO.
Voilà. En PLS. PLS position latérale des souris. Merci Prize. Ouais, c'était un match sympa. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je me suis un peu agacé à un moment, mais bon, on le rappelle. C'est toujours ça. C'est l'essence même du Blood Bowl. Heureusement que de temps en temps, on s'agace. Mon adversaire était pas très bon. Il était pas très bon. C'est pas grave, hein. C'est un joueur récréatif, je suppose. C'est un joueur occasionnel, peut-être? Non. Vu le nombre de matchs qu'il a fait, c'est pas occasionnel. Mais un joueur qui doit s'amuser à jouer comme ça lui plaît. Blood Bowl, ça va aller pour tous les styles de jeu. C'est un peu comme le rugby. On a des postes pour tous les types de physique. Et bien Blood Bowl, on a des races pour tous les types de jeux. Donc lui, ce qui a l'air de l'amuser, c'est plutôt d'avoir une équipe de nordiques avec Châtaigne, Frénésie à tous ses joueurs. Pourquoi pas? Il a eu pas mal de réussite sur ses jets de cerf-volant. Ce qui est dommage, c'est qu'on va pas voir. J'aurais bien voulu voir ses jets de cerf-volant, mais on va pas voir les jets à 2+ et à 4+. Je pense pas. Mais non. Bon, il en a réussi 12 sur 13. Et je pense qu'il en a tenté au moins 4 sans bloquer. Il en a raté un. Celui qu'il a raté, c'était sur un 4+. Les autres, il les a tous réussis. Au niveau des dés de blocage, c'est assez cohérent. Lui aussi. Enfin, lui, ça lui a beaucoup servi, ça. 20 les deux au sol alors qu'il joue nordique, c'est pas mal. Ça aide. Non, non, mais Sarcobolt, il était pas bon. Effectivement, il était pas bon. Mais c'est un joueur qui s'amuse, enfin je l'espère en tout cas, il a été poli, il m'a pas chambré, il a pas essayé je sais même pas ce que je veux dire, il a pas essayé de rien du tout, voilà, il a été poli et correct, j'ai rien à dire là-dessus, ça me dérange pas. Moi tomber contre un joueur qui est pas bon, alors je le dis qu'objectivement il a fait des choix très discutables, il a fait beaucoup d'erreurs, il est tombé dans plein de pièges à frénétique, d'où un moment... Le passage où j'ai mis le coureur d'égout glissade contrôlé pas loin de la touche en me disant il va tomber dedans. Donc j'avais envie de le glisser contre la touche, en biais, et revenir vers l'intérieur. Et comme il est frénétique, il allait se retrouver entre mon joueur et la touche. J'aurais pu aussi glisser en biais pour pouvoir blitzer, avoir lui un support et blitzer avec un joueur à 3 en force et le mettre dehors. Ah non, non, mais t'inquiète pas, Merlin. Je joue pas souvent KO. La preuve, j'avais mis les statistiques dans les sondages. Vous avez vu que depuis que je joue à Blood Bowl 2, j'ai pas joué une seule fois KO. J'ai déjà joué KO. J'avais joué KO dans Blood Bowl 1, j'avais des équipes sympas. Je suis pas du tout pour châtaigne, griffe, écrasement à tous mes joueurs. Il peut y avoir un, on va dire, un homme bête comme ça. Éventuellement un deuxième qui peut vraiment apporter. Mais par contre, j'aime beaucoup du que préhensile tacle, que préhensile tacle plongeant, tacle pour un homme bête, que préhensile stabilité, tentacule sur un guerrier du chaos qui éventuellement pourrait prendre un point en force, enfin, d'abord attendre qu'il prenne un point en force, ce genre de choses. Je joue vraiment pas châtaigne, griffe, écrasement et massacrage. Ça a effectivement pas d'intérêt. Ouais, le Minotaure a accès aux mutations. C'est vrai que le Minotaure a accès aux mutations sur un simple. Ça, c'est très bien parce on peut très vite lui mettre griffe. Ça, c'est très bien. Contrairement au Minotaure des Nains du Chaos. Mais je me dis qu'il va faire monter la TV très vite. Il vaut 150 000 le Minotaure. Donc 152 TV d'un coup, c'est beaucoup. Et je pense qu'on peut vraiment faire une équipe sympa à 12 joueurs avec 4 guerriers du Chaos qui vont être des piliers, qui vont tenir la ligne. Et des hommes bêtes, on va dire plus mobiles, véloces, qui vont esquiver, des hommes bêtes avec deux têtes. Voilà, je le vois pas souvent ça, c'est dommage, un homme bête avec deux têtes, un homme bête avec deux têtes et avec main démesurée, un homme bête qui prendrait un point d'agilité
auquel on mettrait dextérité main démesurée deux têtes ou deux têtes main démesurée. Enfin, ce genre de choses. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. Et c'est ça qui est pas mal. Ouais, moi je suis d'accord, Kars. 4 guerriers, 8 hommes bêtes à la fin. 4 guerriers, 8 hommes bêtes. Et on a une équipe qui est vraiment sympa. Par contre, on va s'amuser. Avec cette équipe, ce sera certainement pas l'équipe la plus compétitive qu'on fera. Mais on va s'amuser avec. On va vraiment y réfléchir. On va essayer de faire un truc sympa. On va essayer de mettre des compétences sympas. Et je vous dis, des deux têtes, des mains démesurées, des bras supplémentaires, des queues préhensiles, tentacules sur un guerrier du chaos qui reprit un point en force, ce genre de choses. On va s'amuser avec ça. Voilà, excellent ça, Gaudi. Un homme bête, très longue jambe, agilité 4, saut, c'est génial. C'est génial. Ça aussi, Nemo. Le prochain, tu lui mets main... Voilà, exactement, tu lui mets main démesurée, c'est excellent. Donc je le lis pour ceux qui n'ont pas le chat. Un homme bête avec plusieurs agilités, deux têtes, dextérité. Et dès qu'il monte encore de niveau, il lui met main démesurée. C'est une horreur. C'est une horreur, ce joueur. Dans les cages, c'est une horreur. Ou dans les zones de tacle, un ramassage raté. Un ramassage raté dans quelques zones de tacle, il peut aller chercher une balle et surprendre tout le monde. Donc oui, si c'est les KO, enfin si c'est le KO qui l'emporte, et si c'est le KO que je jouerai à partir de mercredi prochain, effectivement, on va se faire une équipe sympa. On va pas du tout se faire une équipe. Comme on les voit généralement, elle sera, je vous le dis, peut-être moins compétitive parce qu'elle est plus longue à monter, parce que les compétences sont plus longues à attraper, parce qu'on va pas avoir des joueurs avec blocage partout, mais on va se faire une équipe sympa. Alors quelle heure est-il? Oh, il est que 22h20, c'est cool. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Ça, c'est cool. Alors je vais pas relancer un match maintenant. J'aurais bien envie, mais je vais pas le faire. J'aurais bien envie, mais je vais pas le faire. Alors, ce qu'on va faire, on va attendre que les équipes soient définies. Parce qu'effectivement, même si pour l'instant le chaos s'est vraiment détaché, on n'est pas encore persuadé que c'est le chaos qui va l'emporter. Il y a encore possibilité qu'il y ait des votes. Il y a 46 votes dans le sondage où il y a le chaos. Ils ont 13 votes, l'Union Elfique en a 8, les Bretoniens 7, Kislev 7, Amazon 5, Oelf 3, Humain 2, Nain 1. Je le comprends, et ça me fait plaisir. Et de l'autre côté, ce sont les Nains du Chaos qui sont derniers, et je suis content aussi. De l'autre côté, on a 38 votes, 11 Lézards, 11 Elfes Sylvains, 8 Orques, 4 Nécros, 2 Khemri, 2 Nains du Chaos. Donc pour l'instant, Lézards ou Elfes Sylvains. Donc ce qu'on va faire, on va attendre que les équipes soient définies, réellement, officiellement. À partir de dimanche matin, je vais créer des salons. Je vais créer des salons avec pour la Champion Leader 24. Je donnerai les deux équipes qui ont été choisies. On se trouvera des challenges. Donc les challenges, c'est ce que vous avez sur le côté de la vidéo. Les petits challenges que je tente de valider. Et ensuite, et après ça, hop. Et après ça, on fera un salon pour les noms des joueurs. Donc vous pourrez venir, vous mettrez les noms. Je ne le ferai pas que sur le Discord parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas Discord. Je proposerai aussi dans les vidéos que je ferai, dans les lives. Et comme ça, ce sera plus simple. Les gens, enfin les personnes pourront décider s'ils veulent participer ou pas. Ils me donneront des noms de joueurs qu'ils veulent. Et je ferai un mix. S'il y a trop de monde, je ferai des tirages au sort. Il n'y a pas de souci, on s'arrangera. Voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en la compagnie de tout le monde. Et je vais vous dire très certainement à demain. Demain, on est jeudi. Demain, je suis obligé de continuer à jouer. J'ai pas le choix. Là, il faudrait que je fasse encore au moins 6 ou 7 matchs
pour voir ce que ça donne. Donc on a jeudi, vendredi, je risque d'avoir le temps d'en faire un aux alentours de 16-17 heures. Mais pas plus tard parce qu'après j'ai sport. Samedi normalement c'est open. Dimanche aussi, je vais essayer de me bloquer un peu le week-end pour ça. Je vais me faire engueuler, mais bon, je vais essayer de voir si je peux avoir des créneaux. Et il restera lundi soir, mardi soir, et on verra. D'ici là, on aura peut-être eu quelques retours de manivelle, donc ce sera peut-être fini. Mais si c'est pas le cas, on va tout faire pour arriver tout en haut et éventuellement essayer de choper une qualification. Sur ce, alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a plu, c'est toujours sympathique. Moi, je trouve ça déjà agréable parce que je vois que ça vous a plu. Et je vous le rappelle, pour faire connaître la chaîne, c'est toujours plus simple. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao!